De livre d'Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, le verset 10. La Bible nous dit ceci: dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses lèvres. Dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses œuvres. Ok, bien le Seigneur. Je vais dire une chose, nous sommes en Christ. Nous sommes des chrétiens. Celui qui est en Christ est appelé chrétien. On ne peut pas être chrétien en dehors de Christ. Un chrétien, c'est celui qui fonctionne comme Christ. Celui qui a en lui l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Alors la Bible nous appelle des justes. Nous sommes justifiés par la parole. Car notre Seigneur Maître, Christ Jésus, avait accepté d'apporter tous nos péchés à la croix. Et nous, nous sommes devenus des justes. Donc Dieu nous voit des justes au travers de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes justes. Comprenez, donc en Christ, nous sommes justes. Et elle me dit quoi? Que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Qui est juste? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. C'est nous, les justes en Christ. La parole de Dieu est notre parole. Nous devons fonctionner en accord avec cette parole, car c'est la nôtre. C'est la parole que Dieu nous a laissée pour fonctionner en accord avec, pour l'appliquer, pour le mettre en pratique. Et lorsque tu vois dans ta vie qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, tu vois qu'il y a des situations qui semblent un peu compliquées, en tant qu'un enfant dédié, tu dois chercher à faire un programme de jeûne et prière personnel. Il ne faut jamais attendre que quelqu'un vienne te dire, mon frère, il faut jeûner, ma soeur, il faut jeûner. Non. Si tu es en Christ, il y a des fois, tu vois qu'il y a des situations qui n'est pas bien. Tu vois qu'il y a des problèmes qui se passent dans ta vie. Tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Tu dois programmer. Tu dois faire un programme de jeûne. Toi-même, un jour, pour 2 jours, 3 jours, comme tu veux. Mais tu dois prendre un moment où tu dois te disposer devant la présence de Dieu pour changer la situation, pour transformer ce qui ne fonctionnait pas bien, afin que ça puisse bien fonctionner. Pour glorifier Dieu, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour combattre tout ce qui t'attaque, toutes les attaques de l'ennemi, les rendre nuls et sans effet de ta vie. Car l'Esprit de Dieu habite en toi. En toi est la puissance du Saint-Esprit. Tu es un avec Dieu. Dieu attend que tu te manifestes. Vous comprenez ça? Dieu attend que toi tu te manifestes. Car il y a son Esprit qui habite en toi et veut commencer quelque chose de nouveau. Mais tout va se passer en accord avec toi, si tu te mets à glorifier Dieu et à mettre sa parole en pratique. Vous comprenez? La Bible dit, en son nom, vous chasserez les démons. Donc si tu crois en Dieu, à la parole de Dieu, tu dois savoir qu'au nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Au nom de Jésus, tu peux détruire tous les œuvres des ténèbres. Car Dieu a mis en toi cette puissance-là. C'est pour ça que j'insiste. À chaque fois quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, à chaque fois quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ta vie, quand tu vois qu'il y a des situations qui semblent un peu compliquées, il ne faut pas pleurer. Mais lève-toi de la prière. Prends juste un jour, même 2 jours. Tu mets tout de côté.
et tu t'engages à glorifier Dieu. Tu t'engages à louer notre maître. À les bénir. Et après, maintenant, tu tournes vers la situation qui semble difficile. Tu commences à lancer des paroles de victoire. Tu commences à prophétiser, à proclamer les paroles de victoire. Tu commences à changer la situation. C'est toi qui dois amener à l'existence des choses que tu veux pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui dois mettre les ailes de l'ennemi en faillite. C'est toi qui dois les détruire. Parce que Dieu t'a donné cette puissance-là. De détruire les œuvres des ténèbres et de chasser les démons au nom de Jésus. Comprenez? Donc, ayez courage, continue toujours à marcher de la victoire. La Bible dit, le juste prospérera et il jouira des fruits de ses œuvres. Que ce que tu touches soit béni. Que ce que tu fais soit béni. Partout où tu te trouves, partout où tes pieds ont foulé, Dieu te les a donné. D'avoir le contrôle de ces lieux-là. Cela communiquer la puissance du Saint-Esprit. Cela communiquer la victoire aux autres. Cela communiquer la bénédiction aux autres. Car la parole de Dieu habite en toi. C'est le temple de l'Esprit. C'est le temple de l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié dans ta nouvelle vie. Croyez-moi, à partir d'aujourd'hui, tu dois mettre ça dans ta tête. C'est toi qui as la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu attend que tu commences juste à ouvrir ta bouche pour commencer à proclamer les paroles de victoire et pour commencer à détruire les œuvres des ténèbres. Que Dieu te bénisse.